On leur a mérité cette finale. Ah oui, alors. On leur a mérité. Allez, 5 secondes. Allez. Ça veut dire que c'est imminent. Attention à l'entrée dans la parabolique. C'est là où ça peut se jouer. Oh, le départ de Bergeau. Ballas. Et c'est Panis qui a raté complètement son départ. Ah, et Ballas est parti comme une fusée. Oh, le départ de Ballas. Oh là là, mais Berton a bien contrôlé. Berton est deuxième. Eh oui. Et c'est Panis finalement qui s'est un peu loupé. Rivière est parti comme une fusée aussi. Et c'est Panis qui perd le podium. Rivière, du coup, est bien parti. Pour l'instant, la mauvaise opération. Berton qui va attaquer. Oh, il est déchaîné, Nathanaël Berton. Déchaîné, Nathanaël Berton. Alors que derrière, également, il y a une belle passe d'arbre avec Benjamin Rivière qui attaque Bertrand Ballas. Oh, c'est chaud. C'est bon, ça va être chaud sur les 6 tours. Oh, terrible. Terrible. Attention, Aurélien Panis. Attention à lui aussi parce qu'il va pouvoir remonter sur le podium. Ah, ça va être... Et il est en train d'attaquer Aurélien Panis. Là, est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il est passé, Aurélien? Il se retrouve du mauvais côté. Non, il n'a pas réussi. Benjamin Rivière a réussi à faire la porte. Quelle bagarre. Il n'est pas passé. Pour quelle bagarre incroyable. 100 mètres, il recommence, Aurélien. Allez, à droite, à gauche. Ça attaque de partout avec Nathan Berton-Ballas. Et puis, surtout maintenant, Aurélien Panis qui attaque Benjamin Rivière. Et derrière, il y a Bénézé aussi. Incroyable. Allez, regarde Bénézé pour l'instant. Il se dit, bon, on sait que je vais trouver l'ouverture par où je vais pouvoir passer. Et Aurélien Panis qui revient maintenant sur Benjamin Rivière une nouvelle fois. Ils étaient partis à contre-temps à l'intérieur. L'intérieur pour Aurélien Panis qui va passer Benjamin Rivière. Il va aller chercher. Et le podium pour l'instant, il est plutôt du côté de Berton et de Ballas. Eh ben oui, mais il va s'accrocher Aurélien Panis. Attention au record du tour. Cette fois, c'est JB Dubourg. Allez, cette fois dans l'attaque, dans la montée, il est bien placé pour aller chercher l'intérieur dans la parabolique. Aurélien Panis va se décaler sur Benjamin Rivière à l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Il est malin, regarde, pour l'instant. Est-ce qu'il va tenter le tout pour le tout de se mettre à l'intérieur dans le virage à l'intérieur du circuit là? Alors évidemment, la bonne affaire c'est pour Jean-Baptiste Dubourg, quel record du tour en plus. Ouais. Ça se promène. D'ailleurs la bagarre derrière avec Rivière et Panis. Oh, oula, ça part très très loin là-bas derrière. C'est Olivier Perron, là, c'est qui a fait une petite frayeur. Et attention, puisque maintenant Aurélien Panis, il est attaqué par Bénézé. Exactement. Et dit Bénézé qui commence à klaxonner derrière Aurélien Panis. Et Jean-Baptiste Dubourg avec le record du tour en 44-9 et une avance de plus de 2 secondes maintenant sur la tête de Berton. Allez, Panis n'a pas dit son dernier mot. C'est vraiment le match pour la quatrième place qui est absolument fantastique en ce moment. Bon, Dubourg, Berton, Ballas, là pour l'instant ça reste à peu près stable. Et ça serait le podium. Exactement. On va voir si ça va continuer comme ça. Pour Jean-Baptiste Dubourg, c'est plutôt bien parti. Mais derrière Nathanaël Berton doit faire attention quand même à Bertrand Ballas. Et encore une attaque d'Aurélien Panis. Non. Ou alors que Perdon se régale avec des grands travers. Oui, et puis regarde Panis. Ouh là 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 là. Oh là 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 là, ça a failli. Ça a failli. Ouais, il était prêt à aller prendre la corde. Benjamin, il a de la bouteille, il a de l'expérience. Ah oui. Mais il est vraiment très proche là, Aurélien Panis. Est-ce qu'il va réussir quatrième passage sur la ligne de chronométrage? Allez, les trois premiers, ça ne change pas. Et de nouveau, la Plastic Cup, l'électrique Aurélien Panis en bagarre pour aller chercher la quatrième place. Ah mais il est malin Benjamin, tu as vu, hein, il est très malin dans cette finale et il empêche Aurélien Panis de porter une attaque et Jean-Baptiste Dubourg continue sa promenade alors que derrière Bertrand Ballas, j'ai l'impression, se rapproche, il se rapproche un peu de Nathanaël Berton. Ouais, il peut aller chercher la deuxième place, attention. Il est plus vite en ce moment, il dit Bénézé, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Le moins vite, c'est Rivière. Exactement. Pour ce groupe. Pour l'instant, c'est Benjamin, effectivement, qui est le moins rapide, même si pour l'instant, il arrive à reprendre. Ouais, parce que même Pernod revient dans ce groupe. Allez, pas de problème pour Dubourg. Dernier tour pour Jean-Baptiste Dubourg. Ouais, allez, ça revient, mais Berton, non, ça ne devrait pas changer Ballas. Attention peut-être, là ça va changer. De nouveau une attaque. Il est trop loin, Aurélien. Même s'il rentre très vite dans la parabolique, c'est à l'intérieur du circuit qui peut peut-être le surprendre. Ah, ça va être les deux derniers virages où Aurélien va pouvoir tenter quelque chose. Pas de problème pour Jean-Baptiste Dubourg qui s'en va signer cette première victoire de la saison. Et ça sera très certainement devant Nathanaël Berton et Bertrand Ballas. Allez, maintenant Aurélien Panis a-t-il une dernière chance? Non, Benjamin Rivière, il est bien à l'intérieur. Il est trop loin, il essaye un peu de mettre le museau, mais il peut pas mettre le museau. Ça se joue au départ pour Aurélien. Et regarde l'arrivée d'un Jean-Baptiste Dubourg qui va s'imposer dans cette première, dans cette super finale, pardon. Et voilà, c'est fait.
devant Nathalie Bertrand, auteur d'un formidable départ, et de Bertrand Ballas. Et derrière, Benjamin Rivière, voilà, contient Aurélien Panis, Bénézé et Pernon. Quelle magnifique finale! On s'est régalé, on a eu des finales absolument magnifiques tout au long de ce week-end. Yeah.